Après départ, régime qui se passe là, population t'attend un apaisement. Population t'attend un soulagement. Mais l'espoir, peuple a caressé, pas semblé prêt pour arriver. Après plus que 100 jours, le gouvernement Garikounian continue à marquer pas sur place. Grand goût et misère pas suspendre taille bandal dans le ventre du peuple. Pour l'insécurité même, nous n'avons pas qu'à parler. C'est dans le contexte misère à augmenter. C'est dans le contexte insécurité à valer terrain. Moun bakal en grand sid. Monsieur Garikouni célébré en grand pompe. 100 jours dans la tête gouvernement. Yon bilan meg qui célébré en grand neg. Célébration 100 jours ça, c'est une provocation pour peuple haïtien qui nan misère. Yon célébration 100 jours pour faire monsieur Gary qu'on y bien paraître, même si Haïti prête pour disparaître. L'économie pays a connu une sixième année consécutive de croissance négative. Toute projection qui est disponible confirme tendance à. Bon côté gouvernement, pas de aucun mesure concrète qui prévoit pour inverser courbe croissance. Pour preuve, pour moun qui a suivi bien, l'aide cadrage raté budget 2024-2025 là, là-dedans pas gagné aucune projection qui établie. Pas gagné aucun objectif chiffré dans l'aide cadrage ça. Est-ce que nous devons conclure que gouvernement ça pas gagné aucun objectif sinon que propagande, sinon que marché monte descend. Inflation li a pire au niveau que nous pas jamais connaît. C'est 30% lié d'après dernier statistique HSIO. Pour produits alimentaires yo même, inflation a environ 43%, alors que 50% compatriotes nous yo à vivre une insécurité alimentaire aiguë. Yon bilan meg qui célébré en grand neg. Célébration 100 jours ça, c'est une provocation pour peuple là. Nous tous journalistes nous ouais gros photo dans gros hôtel pour célébrer 100 jours misère, 100 jours insécurité, 100 jours incertitude, 100 jours moment difficile. Propagande, c'est pour première fois dans l'histoire de transition un pays, un chef gouvernement utilise propagande dans le niveau ça pour essayer de cacher la misère du peuple. Et nous parlons de ça. Dans la tentative boycottage, participation président CPTA, dans la 79e session Assemblée générale l'ONU dans New York. Ça, c'est le dernier goutte d'eau qui renverse vase projet pour craser CPTA. Primati, nostalgique de yon exécutif yon seule tête. Primati, nostalgique de yon exécutif monocéphale. Projet Primati, c'est projet pouvoir total. Yon pouvoir absolu. C'est pour ça nous pas jamais wè dans l'histoire pays ya j'en so di la yon chef gouvernement propagandiste dans niveau ça. Sa peuple a besoin dans moment n'a parlé là, c'est sécurité, c'est yon apaisement, c'est élection, c'est yon l'autre constitution. C'est pour ça parti politique aider tes batailles pour accoucher transition. Comportement chef gouvernement mettait en pile acteur en doute sur capacité pour apaiser misère peuple là,
faire élection en transparence et la trier. Nous voyons ça déjà. Nous tous connaissons comment le passé. Et défaire déjà si nous pas corriger situation ça peuple haïtien aider a toujours été bon côté nous. Peuple haïtien aider a toujours charrier revendication nous.